Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plus en forme que moi. Je suis en forme mais pas complètement. Je suis fatiguée jusqu'à... J'ai même pas envie de sortir de la chambre. Il est 10h40 et je suis fatiguée. Pourtant j'ai un programme chargé aujourd'hui. Votre little boss lady doit aller faire le marché. On a une réservation au restaurant de 40 places demain. On a aussi après-demain une réservation. Je dois aller faire le marché du week-end aussi. Tout ça, c'est compliqué. Il est 10h, je suis encore à la maison. Et j'ai une grave envie de parler avec Soleil. Elle me manque tellement. Elle me manque beaucoup. Je fais l'effort de ne pas y penser, mais c'est trop dur. La réalité me rattrape quand je me lève le matin et que je la vois nulle part dans la maison. Quand je rentre le soir, je pars dans la chambre même, je guette, elle n'est pas là. Elle me manque jusqu'à... Je vais un peu appeler. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais il y a des jours comme ça, ça passe. Le téléphone, il n'a même pas le volume là. Allô? Allô? Bonjour, c'est comment Jorel? Bonjour. C'est comment? Allô? Oui, c'est comment? Ça va bien, toi? Ça va. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. D'accord, je veux dire bonjour aux enfants. Ok. Elle est à côté de moi. Allô, maman? Allô? Allô, maman? Oui, mon bébé, ça va? Oui, maman, tu me manques beaucoup. Oui, maman, ça va? Oui, mon cœur. Après, on va faire l'appel vidéo. Vous avez mangé quoi? Elle en a parlé jusqu'à... C'était bon, elle est partie. Maman? Angel, ça va, mon bébé? La mémé est déjà partie. Ok, d'accord. Bye bye alors. Je vais vous rappeler après. Bye bye. Bye. Mamou, bye. Bye. Bye bye, mon amour. Bye bye. Si j'avais les pouvoirs magiques, c'est que je me téléporte tout de suite là, j'atterris. J'atterris là-bas. Je les serre contre moi. Puis je reviens ici. Bon. Little boss lady, ça pleniche pas, n'est-ce pas? On va se lever, on va s'apprêter, on va aller au marché. On va aller au marché, on va vite faire le truc. On va faire les achats pour le week-end. Je vais d'abord appeler pour commander le poulet. Allô? Bonjour Vanda, il sait comment? Ça va, ça va. Tu as le poulet, non? Oui, oui. Oui. Envoie-moi 20 poulets. 20? Oui, 20. Abdel au marché. Ok, Abdel au marché. Ok, appelle-le, pardon, je vais t'envoyer l'argent. Il va me prendre quelques trucs là-bas. Ok. D'accord, tout à l'heure. Merci. Oh, cette fois, c'est bon. On se lève, on s'active, la journée démarre. Une fois en chemin, je vais appeler pour le plantain
et les autres trucs. Comment ne pas trouver son compte avec toutes les gammes? Comment ne pas trouver son compte avec tous les produits? Carrément, je vais la passer à tout le monde. Après le bain, j'ai fait une petite vidéo comédie avec B. La vidéo que vous avez regardée hier où le gars me réveille que oh, Laetitia, enlève ton caleçon, je vais te parler. Laetitia, c'est quoi? Enlève un peu ton caleçon, je vais te parler. Pourquoi? B, enlève un peu ton caleçon, je vais te parler. Ça ne va pas. C'est quoi? Il y a un bouton qui manque dans ta cible. Moi, je vois sur le gars, Koho, enlève ton garçon, je veux te parler, quoi là. J'écoute avec quoi? Avec mes oreilles, non? Alors, parle, monsieur, tu m'aides. En fait, le truc, c'est que je jouais une femme qui ne sait même pas d'avoir préparé. Laetitia! Il aime le poisson avec le savon. William, tu connais à quel point le poisson pue? Parce qu'on a dit le riz parfumé et ensemble. Donc, tout ma part, c'est le make-up. TikTok et ça te choque. Ok, c'est ce qu'on va voir. Tu as vu ça, non? D'accord. Je veux voir comment tu vas me toucher dans cette maison. Ok. Tu as fait faux. Carrément, c'est lui pour mes cheveux. Merci beaucoup. Tu m'as compris le parfum. Donc en gros c'était ça la chose et pour la vidéo complète vous l'avez sur la page, il suffit de défiler. Donc après on a fini et puis on est sorti du lit. Il est 15h35 et c'est maintenant que je vais faire le petit déjeuner. J'ai pris la viande d'œuf, j'ai pris un kilo de riz, une sardine et j'ai pris beaucoup de bâtons. Voilà, enfin. Le riz, c'est pour faire l'ondolé tout à l'heure. J'ai sorti l'ondolé du congèle, j'ai sorti la viande du congèle. J'ai aussi sorti mon bouillon. Vous vous rappelez, j'ai fait le poulet l'autre jour. J'ai fait le bouillon que j'ai expressément gardé. Donc, je vais faire mon ondolé avec. Vous avez été nombreux à me demander la référence de cette poêle. Je suis désolée, je n'ai pas retrouvé le numéro du vendeur. Je pense que comme dernièrement, les Android se réinitialisent tout seul. J'avais également perdu son numéro. Donc, je vais juste. Oui, ben. Je vais arrêter la mise en ligne ici. Laquelle? La modification que tu fais là. Donc, je vais faire que la prochaine fois que je passe là-bas, je récupère une fois de plus son numéro et je vais vous communiquer sur. Tous ceux qui m'ont écrit sur WhatsApp, je vais vous communiquer le numéro. Oh, je vais faire un truc très simple, omelette. Et voilà que finalement il est 15h, je suis encore à la maison. B même qui devait sortir, il avait les courses à faire, il devait aller au chantier et faire 2-3 autres trucs, il n'est plus sorti donc voilà. On fait le petit déjeuner à 15h. Après, on va manger le ndolé pour dormir. Voilà le poulet de l'autre jour, le poulet grillé là. Winnie avait gardé 2 morceaux. C'est ça que j'ai sorti comme ça pour mettre dans le petit déjeuner. Les bâtons de la femme, s'ils sont bons jusqu'à. Je pense que je vais acheter encore en grande quantité, même pour le restaurant, parce que c'est bien fait. C'est blanc et ça tire. 2 spaghettis, mais. 2 œufs mayonnaise spaghetti, 2 œufs sans spaghetti, moi je fais mes œufs bien secs, pardon. Et je les fais surtout nature, les choses que, en tout cas vous savez, tout découpé, découpé, là moi je ne mange pas. C'est le héros que tu veux manger? Non. Et le héros a fait quoi alors maintenant? Voilà, j'ai tout mangé au riz là. Oui. Moi je suis bon. Bon, c'est quel riz? Oui, oui, non, ça a le goût jusqu'à. Mais tu peux acheter le riz que tu veux, non, maman? Moi, quoi? Et tu peux ne manger pas une dolée avec le riz parfumé. Yeah! Au restaurant, alors, on mange comment? C'est les gens qui veulent surprendre leur audience. N'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Est-ce que ceux qui mangent le riz parfumé, c'est les gens qui veulent surprendre leur organisme? Avec le dolée. Ah, avec le dolée, ok. La mère, là, même le plantain. Et le plantain, non, lui. Yes. Donc, pardon. Non, c'est pour moi, non. Tu prends pour vous comme tu veux, non. Tu prends le riz que tu veux, non? Tu laisses mon riz parfumé là-bas, tu prends le riz que tu veux. Hein? Tu viens tout à l'heure, on prépare. Vois ça. Vois ça. Quoi? Tu prends ton riz, après,
Tu veux pas des sardines? Non, c'est pas ta bande de sardines. Tu es quand tu es allergique à la sardine. Tu ne peux pas voir la sardine comme ça, tu passes. C'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ce n'est pas pour toi. Ça fait quoi là-bas? Ça fait quoi là-bas comment? Ta chose est perdue. Non, non, c'est fermé. Ce n'est pas pour toi. Fais comme si tu n'as pas vu. Ah, donc, quand tu as dit que tu es une gonne, là, c'est vrai. Ça sent le parfumé par ici. Finalement, on a préparé le parfumé qu'on disait que. Pourquoi tu as finalement fait le parfumé? C'est pas toi qui as demandé. J'ai demandé quoi? Tu as dit que non. Maintenant, tu peux pas ça. Pourquoi non? La maman te vient me voir. Quel soir? C'est pas grave. Non. C'est ce qu'elle va faire, c'est ça. On va mélanger avec l'arachide du village. L'arachide du village. La messe a envoyé à son fils. Une lettre pour vous, votre majesté. Les chroniques de Bridget Tonon regardent les 4 derniers épisodes de la saison 3 sortis hier à 9h. Moi, je pense que jusqu'ici, ma saison favorite, c'est la première. Vous devriez vous asseoir. C'est trahi. Allô? Allô? Oui, maman. Sky, Mamou, ça va? La Elise, tu t'en sors? La maternelle, la garderie de grand-mère Soleil. Oui, Mamou. Maman, il connaît d'Adji. Je ne sais pas, jusqu'à tu te dis bye, Mamou. Ouais. Mamou! Bye bye, bye maman. Maman, maman. Maman, bye. Maman, bye. Et là, je suis bye. Bye bye, bye yo. Bye bye. Bonne maman. Bye bye. Oh. Maman nous manque trop. Je pleure, maman. Maman. Ah, Laetitia, la folie de bruit. Quelle est l'onde qu'elle dérange? Mais t'as pas, elle nous manque. Ouais, maman me manque trop. Si j'avais les pouvoirs magiques. C'est que je me déporte à ma façon comme ça, tout de suite, je la sais dans mes bras. Oh, mais ce qui est bien, c'est que quand tu la vois tellement à l'aise là-bas, qu'elle ne te gêne même pas. À peine elle te dit bonjour, à peine elle est partie s'asseoir comme une reine là-bas. Bien, je continue à manger mon rythme. C'est trop dur, c'est trop dur. Hey. Les mamans, vous faites comment quand vous envoyez les enfants en vacances comme ça? Les premières vacances de soleil, parfois je reste comme ça, j'arrive plus à respirer. Je la cherche partout, je la vois pas. Mieux, je me concentre sur les bruits que je donne. Il reste 29 minutes pour la fin. C'est mieux. Je mange mon dolé. Mais il m'a acheté le jus, non? Ouais, pardon. Carimo, puis la pensée à tout le monde. Enfant, personne sachez la pensée à tout le monde. Ah, mes soleils d'amour, comme vous l'avez compris, votre little boss lady n'est finalement plus sortie de la maison de toute la journée.
Et là, j'ai fini ma soirée par conclure notre nouvelle carte de menu. Oh, bye bye.